Zamita Haïti Media on yo après des CPJ fin fait travail li nan sa gen pouwe avec l'amour ancien chef d'état yo décidé voyer tout moun ki était impliqué nan l'amour Jovenel la nan pénitencier national et nan moment moi même avec ou n'a parlé là comment Dimitri Erard lié nan pénitencier m pral bon détail yo et en même temps mercenaire yo grand moun yo parler causer pour façon y a vivre en dans prison si là nous pral bon tout détail pendant m'a mando en signe d'encouragement pour capable abonner avec channel YouTube Haïti Media on là. L'on fait ça, ou à permettre channel avancer plus devant et ou même ou à prêter plus près. Information capable même faciliter yon l'autre monde découvrir Maman Pemba qui c'est Haïti Media On. Bonjour, bonsoir, zami mwenyo, comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Est-ce que nous avons toujours même love là, même plaisir? À chaque fois ou d'accord, fait clic ça pour coûter voir information en cabot détail sans wété, sans mété. Dimitri Erard, ancien chef dans palais national qui t'a commandé IGPN après ou te fin auditionnel dans des CPJ dans sa gen pouwe avec assassinat que yo fait sous président Jovenel là responsabilité jugé le bon pour pimpe towa dans pénitencier national depuis les monsieur fin entrer dans pénitencier national et bien ayer gen yon information kap kouri sous réseau pour ta fait quoi que tête Erard li parti par contre côté le fait monsieur semblerait-il que li ta perdi yon branche au lieu de yon fait c'est ça information te fait quoi et en même temps monsieur pa vle bien par contre c'est mal propre sangouin qui nan et en même temps on fait comprendre mouche ça personne moun pa ka approcher le côté lié nan pénitencier zami Haïti Media on yo comme souvent a répété tout autant voir information an li poko ba nou yon causé et ben pa prend information mais pa prend parole ça pour l'évangile parce que kite m fin parler après ça sou édifié ou a dit amen information pour ta faire quoi que Dimitri Erard tête li parti a c'est une information crisocal li pa bon lò selon information moi même ke m gen sou tout ça li en forme quoi yon bas li pa gen way tête li bien droite tête li pa parti et m'pa konnen tout ki individu mal intentionné ki ta deye fausse information ça ka publié à travers réseaux sociaux et gen en pile média là ki pa koue Haïti Media on ki pa mené ti enquête yo pour yo jwenn détail et bien amis Haïti Media on yo information ça li pa gen rien pour avec nèg comme quoi tête nèg la ta parti et pas vrai OK et faut me di nou la tout puisque nous konnen zafè Jovenel Moïse là li tout non zo poisson ki koke nan gòj an pil nèg mba konnen ki moun comprendre avec propre grèl ki choisi a véhiculer les fausses informations ça ta lo attendé comme li gen problème mental il faut que la loi un psychiatre et nan al web psychiatre ou katande to a sauver et da regarder bien la police pas même gen dévouement pour ta marrer tout moun yo mete avis de recherche tout moun ki gen mandat d'amener de yo la police pas manifester volonté a pour ta alde ou imagino yon to koue Dimitri Erard ki konn pays d'Haïti très bien ki konn bagay la bien pour ta sauver nan pays ça ki le wa jeune monsieur en tout cas ami mwen yo mba konnen pou ki ça moun ça la bay vie information an mais bon information pa mlan to wa li en forme li pa gen way comme mwen te getan di nou depuis nan commencement émission an comment parent mercenaire yo konsevwa bagay la le fait que mercenaire sa yo nan prison pa bo ici et ben faut m'bon comprendre pays Colombie li rele amre pour condition 18 mercenaires colombiens yo a vivre nan prison en Haïti après yo te fin joine arrestation pour zake yo fait sous ancien président Jovenel Moïse d'après Carlos Carmago yon émissaire qui te visite monsieur yo li fait comprendre condition monsieur yo pa bon di tout monsieur c'est a terre y a dormi sa monsieur de comprendre là et en même temps zanmi mwen yo li fait comprendre nèg yo pa ka joine manger deux fois par jour et puis gen 20 litres d'eau seulement pour 18 colombiens avec des haïtiens pour yo capable boire ça qui vinn la cause que nan monsieur yo gen en pile là-dedans yo qui ta maigri en pile et selon Carlos il fait comprendre nèg yo nécessité yon assistance médicale sans perdre de temps dans prison toujours d'après commission qui t'a visité a yo fait comprendre monsieur yo minoté 24 sur 24 gen même yo mari yo papa avec yon seule minute c'est-à-dire des moun yon seule minute qui minoté yo et amis Haïti Media on yo commission plein tout pour prison côté monsieur yo a qui chargé avec moun et nan cacho côté monsieur yo empilé soleil pas rentré là commission médiation an li dit malgré DCPJ ak FBI gen tan questionner monsieur yo plusieurs fois déjà mais présumé assassin yo poko jam joine autorisation pour parler avec yon avocat nan sans ça responsable commission Carlos Carmago li mande yon assistance légale pour monsieur mercenaire yo qui selon lui-même pas connaît droit yo c'est-à-dire yo pas respecté droit mercenaire yo
côté ou trouvé yo nan prison nan pays d'Haïti. Bon m'a dit ça clair, mais c'est nèg pa bin fon bagay comme ça là kouè pays d'Haïti que nous gen tan gen information de li yon ti pays que nous gen là, ou comprendre pour entrer ou vin rete l'avion président nan façon ça. Après ça pour t'arriver là nan pénitencier national, c'est bon ti lèt y a bò pou dlo, ou comprendre c'est bon ti j y a bò, pa gen bagay comme ça ou fait peine nous n'importe jon vle là ou pigé peine nan jon wè ya. Puisque ou fait me comprendre, gen nan nèg yo kap maigri sa mi c'était comprendre. Est-ce que pendant nèg yo, yo fin touye président nou an la, et puis nous pral mettre en côté n'a prend soin yo, fè yo vin grave comprendre pour madame yo ka bien gardé dans pays Colombie, pa gen bagay comme ça. Et mais comme Carlos gen tan mandé pour nèg sa ta jwenn yon assistance médicale rapide bon pa konnen, mais en tout cas bagay yo pa piay et nous kontande a clair façon prisonnier haïtien qu'on a plein. Bon prisonnier la kayo y a plein ba besoin du ou même qui sorti dans pays ou là pour vin faire yon zak la pour penser ba la table douce malgré me konnen oui faut droit moun respecter mais condition te gen tan la déjà papa dans mercenaire ou là yo pral changer le bagay la ba comme ça. Pa blie avec Moringa Haïti qui pote pour nous gen outil gen ban et ben gen outil a qui sont pomade qui fait avec environ 8 produits organiques qui permettent ou augmenter tol pinou de 3 à 5 cm de longueur et en même temps de vous passer pomade l'or bien massaille pendant 2 minutes ou faire ça 2 fois par jour ou de jeune résultat dans moins que 2 mois. Et pas oublier gen ban là c'est un comprimé qui fait avec 13 plantes naturelles qui permettent ou augmenter libido freiner sec conquépin ça pote non bec ATA rele nan numéro qui passe en bas écran pour capable placer commande et de pour prendre 3 comprimés chaque matin ou si poser gaya nan moins que yon semaine avec problème bec ATA. Zami Haïti Media Unio, l'autre détail qui me pral informer nous après Paul Denis ancien ministre là li te fait yon sortie dans la presse pour te faire connaître que Badio li même yon nan ki la presse a cherché qui impliqué nan zakrazay maspinay krabinay ki ont fait sous président Jovenel Moïse là. Et bien Badio ça c'est bon bois droite ministre justice actuel en parlant de Rockefeller Vincent. Et bien ministre justice li même li fouye bouchi nan kozia également li sorti nan silence pour le capable démenti ancien ministre dit tout sorti yo c'est mentor Badio te gen relation avec li époque l'LTD ILCC de janvier à juillet 2020. Après ça pa gen aucun autre rapport encore et mandé avec force légale yo pour yo chercher côté Badio ye pour yo capable prendre monsieur parce qu'il y a quelques questions li supposé répondre devant la justice. C'est-à-dire ça Paul Denis te fait quoi ya et bien selon Rockefeller Vincent li fait comprendre c'est pas vrai c'est menti que monsieur a bail Badio pa gen relation avec li relation li même avec Badio li coupé depuis en juillet 2020 nan moment li pat DG ULCC encore. Zami ta Haïti Media on yo l'autre détail qui me parle informer nous là qui vraiment important intéressant plus que déjà et apprendre nous que Ariel Henry témoin des États-Unis concoule pour être capable combattre insécurité corruption permettre lui redémarrer avec chantier Jovenel Moïse te joue une chance démarrer dans pays d'Haïti. Et bien forme dit nous selon information que moi recevoir là depuis 27 juillet qui saute passé à là pays d'Haïti gagne un paquet expert en cybersécurité et sécurité infrastructure qui viennent renforcer quelques infrastructures dans pays d'Haïti qui important tant coup pour yo terminal qu'a recevoir gaz et en même temps za fait élection. C'est-à-dire qu'il y a un paquet américain qui dans pays d'Haïti qui expert dans sécurité qui là comme premier ministre lui-même lui t'a demandé concours nèg yo répondre à l'appel yo vini dans pays d'Haïti depuis 27 juillet même ça m'a demandé gien quelques travail effectivement que président a commencé il faut que monsieur lui-même lui fait continuité à en parlant de Ariel Henry et gien quelques bail là tout qui important et intéressant pour nous parce que moi n'a parlé des affaires élection tout autant pays d'Haïti pour qu'on doté de yon sécurité côté tout moun ka fè tête yo confiance li a passé dans zone Matisan. Et bien tout autant ça li poko ka setup sou li ta fè élection mon cher mpoko wel. Zami Haïti Media on yo élection c'est un meilleur bagay ka permet pays d'Haïti doté de yon nouveau chef du chef d'état mais faut me di nou en même temps li important intéressant tout gen yon façon pour réalisation élection li même li fait pa bo ici pa bliye application an li pote non Abdil c'est une application qui fait spécialement pour ou même qui nan zafè business ou même tout qui gen yon bagay la ka ou ta renmen vann avec yon lot moun mou pa gen clientèle pa gen problème fin download application ça metel sou smartphone nou et puis fè photo produit a postel ou ap jwenn moun marchandel nan moun et en même temps achetel parce que majorité moun ki trouve yon nan quatre coins moun blan kap utilize zafè internet c'est sou gros bouton ton application Zapdeal ke yo fè marché yo avec Zap ou pa pran vie ta pou ta renmen nou bo yon visibilité fè promotion pou nan projo la nan produit là pas gen problème écrit sur Haïti Media One à commercial@gmail.com pour un petit grab diamond.
na bolov la et en vérité nan moins que yon semaine ou ap satisfait pour façon produit la paraît très visible et ou ap fait en pile ki choy la dan. Pas oublier zami Haiti Media on yo l'autre façon capable encourager nan jan de travail ça qui m'a offri nou an qui pa gen prix ou ap just kite yon like nan vidéo ou ap gade ya et en même temps invite yon zami à abonner avec maman Pemba qui c'est Haiti Media on ou ta reme di m kembe ça ou li de kembe la font coup d'œil ou ap gen tan gen yon idée. Ne pensez pas que l'événement de l'assassinat de Jovenel Moïse ou l'événement de l'annonce de la candidature de son épouse Martine Moïse est un fait anecdotique, est un fait, n'est-ce pas, accessoire. C'est au fait un élément qu'il faut replacer dans un contexte de géopolitique mondiale. Voilà pourquoi j'étais en mesure de le prédire, cela. Voilà pourquoi j'étais en mesure d'anticiper que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, Martine Moïse allait, n'est-ce pas, annoncer sa candidature. Parce que analyser, c'est anticiper. Analyser, c'est décomposer l'ensemble en ses éléments constitutifs, puis les rassembler pour donner un autre ensemble. Comme ça, on peut débusquer la vérité. Très bien. Quel est cette nouvelle ordre? Quel est ce nouvel ordre mondial? Quelle est cette nouvelle géopolitique? Je vais vous citer un certain nombre d'événements et à chaque fois, je vais vous dire pourquoi cet événement est arrivé, pourquoi cet événement est survenu, et vous-même, au terme des 7 exemples que je vais vous donner, vous allez être en mesure de construire le portrait global. Allons-y. Je vous conduis au Tchad, en Afrique. Au mois d'avril dernier, avril 2021, le président du Tchad, Idriss Déby Itno, est assassiné par des rebelles, suivez mon regard, dans une région particulière du Sahel, une région frontalière avec la Libye, qu'on appelle le Tibesti. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette région du Sahel qu'on appelle le Tibesti, où se trouvent les rebelles, au président défunt Idriss Déby Itno, on a découvert que ces fameux rebelles, eux, ils étaient armés par la France. Ils étaient armés par les services secrets de la France. Et au même moment, c'est la France qui a conseillé au défunt président Idriss Déby Itno de se rendre dans cette région pour combattre ces rebelles-là. Et c'est là où le président du Tchad, en avril dernier, a été assassiné, soi-disant par des rebelles. La région dans laquelle il a été assassiné, c'est une région extrêmement riche en pétrole, c'est une région extrêmement riche en diamants, c'est une région extrêmement riche en uranium, c'est une région extrêmement riche en niobium, en bauxite. Et la France, jusque-là, a le contrôle sur cette région. Comment la France arrivait-elle à contrôler cette région? Elle armait les rebelles qui ont fini par tuer, n'est-ce pas, le président du Tchad. Et en même temps, la France demandait ou informait le président défunt Idriss Déby Itno de l'endroit où se trouvaient les rebelles en lui disant de se rendre là, et c'est là qu'il a été assassiné. Jusque là, vous me direz, c'est pas la première fois qu'un soldat tombe sur un champ de bataille. Ce qui est particulier, c'est qu'il s'agit du président du Tchad. Mais ce que vous devez savoir, écoutez bien là, c'est que dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président du Tchad, le président du Tchad avait signé des accords avec la Russie et la Turquie en matière de sécurité, en matière de politique et en matière d'accords commerciaux. Notez cela, ça va être le fil d'Ariane à travers les 7 exemples que je vais vous donner. Donc le président du Tchad qui a été tué en avril dernier dans cette région du Sahel par des rebelles. On sait maintenant que ces rebelles sont armés par la France. On sait aussi que le président Idriss Déby Itno se rendait là sous les conseils, n'est-ce pas, des services secrets français. Et c'est là qu'il a été tué, soi-disant par des rebelles. Mais ce qu'on sait, c'est que dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président du Tchad, eh bien, il avait signé des accords secrets avec la Chine, des accords secrets avec la Russie, des accords secrets commerciaux, des accords secrets en matière de sécurité, parce que le président du Tchad ne voulait plus que la France ait une mainmise exclusive sur les ressources du pays. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, une fois assassiné, prêtez attention, qui se déplace pour assister aux funérailles du président Idriss Déby Itno? Le président Emmanuel Macron, et qui va profiter de sa présence, n'est-ce pas, en Tchad pour installer
contrairement à ce que prévoit la Constitution, pour installer le fils même du président défunt, Mahamat Idriss Déby, âgé de 37 ans. Et le président Emmanuel Macron a installé cet homme, contrairement aux vœux de la Constitution, et le président Mahamat Idriss Déby, ce jeune homme de 37 ans, a profité de son installation comme nouveau président du Tchad, fils du défunt, pour dissoudre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et il promet des élections libres et démocratiques dans un an et demi. Et il fait tout cela avec l'accord du président français qui s'est déplacé pour l'installer en la circonstance. Je vous dis un certain nombre de choses que vous devez retenir. Un, assassinat d'un président. On voit la main de la France. Quand on essaie de comprendre pourquoi ce président a été assassiné, on découvre qu'il avait signé des accords secrets avec la Russie, la Chine, des accords secrets portant sur des questions de sécurité, portant sur des questions économiques. Et là, justement, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Le président français vient, il installe, n'est-ce pas, le fils du président, défunt, ok? Oui, il installe le fils du président défunt, et il le fait malgré ce qu'en veut, n'est-ce pas, la constitution du pays et business as usual. Le deuxième événement que je vais vous présenter, je vous conduis cette fois-ci en Tanzanie. Le président John Magufuli. Le président John Magufuli serait mort de la COVID en mars 2021. Et on en profite pour nous rappeler que le président John Magufuli ne croyait pas tellement, n'est-ce pas, en la COVID. Et voilà qu'il est mort, le président Magufuli. Il est mort. Ce qu'on découvre encore une fois, c'est que le président John Magufuli de la Tanzanie avait lui aussi signé des accords commerciaux, des accords économiques, des accords infrastructurels et des accords de sécurité. Devinez avec quel pays encore? Avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie. Lui, il ne voulait rien savoir, n'est-ce pas, de l'ordre occidental. Il ne voulait rien savoir des ordres qui lui étaient transmis par la France. Il a bousillé tout cela. Il s'est rapproché de la Chine, il s'est rapproché de la Russie, il s'est rapproché de la Turquie. En conséquence, il est mort. Et la mort est suspecte. Nous sommes plusieurs à croire qu'effectivement, le président de la Tanzanie, n'est-ce pas, a été assassiné. Il a été empoisonné. On avance. Donc, pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que voilà des événements qui paraissent n'avoir aucun lien les uns avec les autres, mais au fur et à mesure que je vais vous les présenter, vous allez voir le même fil d'Ariane. Les présidents qui sont morts, qu'ils soient morts assassinés, comme on l'a vu au Tchad ou bien en Haïti, qu'ils soient morts empoisonnés, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne le président John Magufuli de la Tanzanie, c'est le même portrait. Ils ont signé, ces présidents-là, des accords exclusifs, des accords secrets avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie, portant sur des questions commerciales, portant sur des questions économiques, et oups, comme par hasard, ils sont assassinés. Je vous conduis maintenant au Burundi. Que s'est-il passé en juin 2020? Le président Pierre Nkurunziza du Burundi a été lui aussi assassiné. Ce qu'on découvre, c'est que lui, il ne voulait plus avoir des liens avec la France. Il ne voulait plus obéir aux ordres, n'est-ce pas, de l'Élysée. Il ne voulait plus obéir, n'est-ce pas, aux ordres du président français. Il s'est rapproché de la Chine. Il a signé des accords secrets avec la Chine et la Russie. Et quand on signe des accords secrets avec la Chine et la Russie, il y a toujours un critique. Ça veut dire les accords vont porter sur des questions économiques. Les accords vont porter sur des questions politiques. Les accords vont porter sur des questions de sécurité. Et le président Nkurunziza du Burundi a été lui aussi assassiné. Je vous conduis maintenant au Mali. Vous savez ce qui s'est passé au Mali. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta a été destitué par l'armée pour des raisons que l'on comprend, parce que le président Ibrahim Boubacar Keïta était à ce point soumis à Emmanuel Macron, il était à ce point soumis aux ordres de la France que les patriotes de ce pays ont dit, écoutez, le président Ibrahim Boubacar Keïta est-il là plus pour servir la France ou bien sert-il les Maliens? Il a été destitué par l'armée.
par le colonel Hassini Goïta, qui est aimé de la population et qui est devenu par le fait même le président de la transition de la République du Mali. Lorsque le président Ibrahim Boubacar Keïta a été défait par l'armée, l'un des premiers à crier au loup, à exprimer son indignation devant la destitution du président Ibrahim Boubacar Keïta et par son remplacement à la tête de l'État par le colonel Hassini Goïta, c'était Emmanuel Macron. Et dans l'un de ces tweets, le président français Emmanuel Macron y est presque allé par un appel à la révolte, par un appel, n'est-ce pas, à supprimer le colonel Hassini Goïta. Qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, tout dernièrement, deux personnes ont tenté de poignarder le colonel Hassini Goïta. Et ce qu'on découvre là encore, les amis, c'est que le colonel Hassini Goïta s'est rapproché de la Russie et des Turcs. Il a signé des accords secrets avec la Russie. Il a signé des accords secrets avec les Turcs. Comme conséquence, la France a cherché à le faire assassiner. Deux hommes sont entrés, n'est-ce pas, dans une mosquée, dans la grande mosquée de Bamako, cherchant à assassiner, n'est-ce pas, le colonel Hassini Goïta. Je vous conduis maintenant au Madagascar. Cinquième exemple. Au Madagascar, où règne le président Andry Rajoelina, qui a échappé à une tentative d'assassinat. Et ce qu'on découvre, c'est que parmi ceux qui ont été arrêtés, la France n'a pas nié cela, qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait partie du complot en vue d'assassiner le président du Madagascar, Andry Rajoelina, il y avait des anciens militaires français, il y avait, n'est-ce pas, des Français qui ont travaillé pour les services secrets français et qui ont tenté d'assassiner le président du Madagascar, Andry Rajoelina. Encore une fois, qu'est-ce qu'on découvre? Lorsqu'on cherche à comprendre pourquoi le président Andry Rajoelina a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, notez encore une fois, il a signé des accords secrets avec la Chine, il a signé des accords secrets avec les Russes, il a signé des accords secrets, n'est-ce pas, avec les Turcs, des accords portant sur l'économie, sur la sécurité, sur la politique et sur le commerce. C'est le lien qu'il faut suivre. J'avance avec vous, les amis. Je vous conduis en République centrafricaine où règne le président Faustin Archange Touadéra. Oui, j'ai l'impression que mon écran a disparu. Est-ce que tu veux corriger? Non, où règne le président de l'Afrique, enfin le président Faustin Archange Touadéra. Je m'arrête deux petites secondes. Voilà, et puis je vais revenir. C'est des choses qui arrive. Voilà. Donc je dis, je vous conduis en République centrafricaine où règne justement le président Faustin Archange Touadéra. La République centrafricaine, ne l'oublions pas, c'est une mine de richesse en matière d'uranium, une mine de richesse en matière de diamants, une mine de richesse en matière de cobalt, en matière de bauxite, n'est-ce pas? Et ce président-là, il a échappé à trois tentatives d'assassinat. Et qui est-ce qu'on découvre dans les complots devant conduire à son assassinat? On découvre d'anciens militaires français qui travaillent pour la DGSE, c'est-à-dire la Direction Générale des Services Extérieurs de la France. On retrouve aussi d'anciens militaires français qui travaillent pour les RG, les renseignements généraux. Et quand on cherche à savoir quel est le mobile derrière ces trois tentatives d'assassinat, n'est-ce pas, qu'a subi le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, encore une fois, notez le fil d'Ariane, le président Touadéra a signé des accords secrets avec les Russes, il a signé des accords portant sur des questions de renseignement et sur la question de la sécurité. Et là, j'ajoute quelque chose, ce sont les Russes qui sont responsables à 100% de la sécurité du président centrafricain. Et le président russe, Vladimir Poutine, en a fait une affaire personnelle. Il a dit, je sais que, n'est-ce pas, les services secrets français veulent assassiner le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Vladimir Poutine a dit, j'en fais une affaire personnelle. Et il a mis autour du président centrafricain toute une ceinture de sécurité, en sorte que, grâce aux services de sécurité russes, le président centrafricain a échappé à trois tentatives d'assassinat français. Septième exemple. Vous notez, hein, ça progresse. Je vous conduis cette fois-ci en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui est riche en pétrole. La Guinée équatoriale où règne justement le président Teodoro Obiang Nguema.
Lui, c'est quelqu'un qui est reconnu comme un anti-français. Jusque-là, la France, des compagnies françaises en matière de pétrole, avaient des droits exclusifs sur l'exploitation du pétrole en provenance de la Guinée équatoriale. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, lui, il s'est rejeté contre cela. Il a défait des accords qui ont été... Il a défait des contrats qui ont été donnés à des compagnies pétrolières de la France. Et désormais, il a signé, encore une fois, vous me feriez venir, des accords commerciaux avec qui ? Avec les Russes et avec les Turcs. Conséquence, il a subi des tentatives d'assassinat. Récapitulons, on fait de la pédagogie. J'ai commencé avec l'exemple du Tchad, n'est-ce pas ? Je vous ai conduit par la suite en Tanzanie. Je vous ai encore conduit par la suite au Burundi. Je vous ai ensuite conduit par la suite au Mali. Je vous ai conduit par la suite au Madagascar. Je vous ai conduit par la suite en Centrafrique. Je vous ai conduit par l'Afrique en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous remarquez ? À chaque fois, il y a un fil d'Ariane. Tous ces chefs d'État africains ont refusé d'obéir aux ordres de la France. N'oublions pas que De Gaulle faisait de l'Afrique une France-Afrique. Toutes les anciennes colonies françaises, même s'il y a eu dans les années 60, à compter des années 60, ce qu'on appelle la décolonisation, eh bien Charles De Gaulle disait, écoutez, c'est pas grave, ce qui compte pour nous les Français, ce n'est pas tant que nos anciennes colonies soient désormais décolonisées, ce qui compte pour nous, c'est de maintenir une tutelle économique en imposant, n'est-ce pas, une monnaie française, en imposant des accords que ces États africains, jusqu'à 14 accords, doivent signer avec la France, et accords par lesquels ils accordaient le droit exclusif pour l'exploitation de leurs ressources naturelles à la France, accord au terme desquels, eh bien, ils accordent le premier droit à la France en matière d'armement ou d'entraînement militaire. Et là, vous avez là un certain nombre de chefs d'État africains qui se sont regimbés contre ce sacro-saint principe de la France-Afrique que De Gaulle a établi, n'est-ce pas, dans les années 40, dans les années 60. Et à chaque fois que chef d'État africain s'est rapproché de la Russie, à chaque fois qu'un chef d'État africain s'est rapproché de la Chine, à chaque fois qu'un chef d'État africain s'est rapproché de la Russie, on ne le déporte plus comme on le faisait autrefois. On ne lui donne plus des coups d'État comme on le faisait autrefois. On le supprime tout simplement. Ça s'appelle de la réingénierie sociale. On est en train de faire un reset pour et social control. Ils sont en train de faire une mise à jour des nouvelles tactiques pour reprendre le contrôle social, pour reprendre le contrôle économique dans ces pays africains. Maintenant, vous pourriez venir. Nous sommes en Haïti. Haïti, c'est le prolongement de l'Afrique en Amérique. Haïti, ce sont vos ancêtres à vous qui sont devenus nos ancêtres à nous, qui ont botté le derrière à des Européens et qui ont dit « Nous ne serons plus les esclaves de quiconque, nous allons proclamer notre indépendance. » Après notre indépendance, comme vous le savez, la France se servant, n'est-ce pas, de l'aplaventrisme de certains chefs d'État haïtiens qui ont succédé à l'inimitable Jean-Jacques Dessalines, ont repris le contrôle d'Haïti en nous imposant une dette, la fameuse dette de la rançon de l'indépendance. Techniquement, ce n'est pas une dette, c'est une rançon. Cette dette-là nous a été imposée depuis le 19e siècle. Nous avons fini de l'éteindre seulement au 20e siècle. Et donc, par cette rançon de l'indépendance, la France a repris le contrôle d'Haïti, hein, qui contrôle l'économie, contrôle un pays. Par la suite, les États-Unis, à partir de 1915, ont contrôlé le pays du point de vue politique, du point de vue de son administration. Et jusque-là, c'était une république tranquille. Jovenel Moïse, qui a pris le pouvoir dans des circonstances que l'on sait, sa campagne a été financée par les oligarques très proches des administrations américaines. Il a gâté ces oligarques-là. Jusque-là, Jovenel Moïse était très soumis aux mains des Américains. Quand les Américains lui passaient des ordres, il leur obéissait du doigt et à l'œil. Il est allé jusqu'à désavouer le très généreux Venezuela qui nous a prêté plus de 4 milliards de dollars pour nous aider à faire du développement. 4 milliards qui ont été pillés, qui ont été détournés par, n'est-ce pas, les divers gouvernements haïtiens, à commencer par René Préval, n'est-ce pas, et ceux qui lui ont succédé, dont Jovenel Moïse.
Jovenel Moïse est allé jusqu'à désavouer le Venezuela qui nous a fait du bien à la demande des États-Unis, en particulier à la demande de celui qui se retrouvait à la tête de la commission étrangère, n'est-ce pas, du Sénat des États-Unis, le sénateur de Florida, n'est-ce pas, le sénateur de la Floride, Marco Rubio. Et puis tout à coup, Jovenel Moïse, voulant respecter l'une de ses promesses phares, à savoir doter le pays d'électricité 24 heures sur 24, a eu cet instinct, on va dire, naïf d'aller... Ce n'est pas que je condamne cet instinct-là, mais naïf parce que tu as pris le pouvoir grâce à la complicité des Américains, tu as pris le pouvoir grâce au financement des oligarques pro-américains, les transnationaux, d'Haïti, qui travaillent de concert avec les Américains, tu as reçu le pouvoir entre leurs mains, et tout à coup, en juin dernier, je vous l'ai déjà dit à ma première émission, analyser c'est anticiper, en juin dernier, le 14 juin dernier, Jovenel Moïse est allé en Turquie et là, il a signé des accords secrets, devinez avec qui ? Avec les Russes, avec les Turcs, avec les Chinois. Ça, c'est le fil d'Ariane, mes amis, pour comprendre ce qui se passe. Et dès que Jovenel Moïse a fait ce que d'autres chefs d'État africains ont fait, il était écrit dans le ciel que Jovenel Moïse allait subir les mêmes sorts, ou plutôt le même sort que les autres chefs d'État africains ont subi, parce qu'ils ont osé se rapprocher de la Russie, parce qu'ils ont osé se rapprocher de la Chine, parce qu'ils ont osé se rapprocher de la Turquie. Est-ce que vous voyez maintenant le portrait global ? C'est une nouvelle géopolitique qui s'installe. Les amis, nous sommes revenus à l'époque de la guerre froide. Qu'est-ce que c'était que la guerre froide ? La guerre froide, c'était cette époque où il y avait clairement le bloc de l'Ouest, les pays de l'OTAN, les États-Unis en tête, n'est-ce pas ? Et entendez, l'Empire britannique, enfin, le Royaume-Uni, la France, pour ne citer que ces exemples-là. Et il y avait, n'est-ce pas, le bloc de l'Est avec le pacte de Varsovie, ça veut dire tous les pays satellites de la Russie soviétique d'alors. Bon, très bien. Avec l'effondrement du mur de Berlin dans les années 90, on a dit qu'il n'y avait plus de Russie soviétique. On a assisté à un démantèlement de cette fédération de la Grande Russie, la Russie soviétique. Et là, on a dit que c'était la fin de la guerre froide. Mais avec le retour de Vladimir Poutine, qui lui est là à vie, constitutionnellement, il est au pouvoir à vie, avec l'entrée en puissance de la Chine, ayant à sa tête un président qui est élu à vie, ces deux puissances-là reviennent en force sur la scène internationale. La Chine veut détrôner les États-Unis comme première puissance mondiale et elle est sur le point de le devenir. La Russie veut redevenir, n'est-ce pas, ce qu'elle fut au moment où il y avait la Russie soviétique. C'est le vœu qu'a lancé, n'est-ce pas, Vladimir Poutine. Où est-ce que la Chine et la Russie vont recruter de nouveaux territoires ? Où est-ce que la Chine et la Russie vont étendre, n'est-ce pas, leur hégémonie ? C'est essentiellement en Afrique. Ces pays qui, jusque-là, ont fait partie de ce que De Gaulle appelait la France-Afrique, ces pays anciennement colonisés par la France, mais qui restent sous la tutelle française parce qu'ils signent avec la France des accords qui accordent l'exclusivité en matière d'exploitation des ressources de leur sous-sol à la France. Vous savez qu'un pays comme la République centrafricaine est allé jusqu'à signer avec la France des accords qui léguaient à la France pour près de 100 ans le droit exclusif d'exploiter toutes les ressources, n'est-ce pas, de la République centrafricaine. Et là, ces pays africains-là sont en train de lorgner du côté des grands ennemis. Ils sont en train de lorgner du côté de la Russie. Ils sont en train de lorgner du côté de la Chine. Ils sont en train de lorgner du côté de la Turquie. Et bang, les pays tuteurs disent, écoutez, nous sommes revenus à la guerre froide. Nous allons appliquer les méthodes de l'époque de la guerre froide. Quelles étaient les méthodes qui étaient utilisées au moment, n'est-ce pas, de la guerre froide. Quelles étaient ces méthodes-là, les amis ? On assassinait tout simplement les chefs d'État africains qui, sous prétexte qu'ils étaient entrés dans l'ère de la décolonisation, n'est-ce pas, pouvaient se permettre, ou pensaient qu'ils pouvaient se permettre de se tourner vers la Russie soviétique d'alors, on les a assassinés. Et c'est ainsi donc que pas moins, les amis, de 22 chefs d'État africains, pas moins de 22 chefs d'État africains ont été assassinés depuis les années 60. Ça, on le faisait dans les années 60, on le faisait dans les années 70, on le faisait dans les années 80, on le faisait dans les années 90, parce qu'on était encore à l'époque de la guerre froide.
Mais depuis les années 90, eh bien, on préférait déporter les chefs d'État, on préférait les exiler, on préférait les jeter en prison, hein, pensez à Laurent Gbagbo, on préférait, n'est-ce pas, les faire destituer par l'armée. Mais là, depuis 2011, Kadhafi a été le premier exemple en la matière. On ne déporte plus, on n'exile plus un chef d'État récalcitrant. On le supprime, tout simplement. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, l'assassinat de Jovenel Moïse en Haïti est lié à l'assassinat du président de Tchad. Il est lié à l'assassinat ou aux tentatives d'assassinat des 7 autres États africains que je vous ai présentés au début de l'émission. Le fil d'Ariane, il est toujours le même. Quand ces pays-là se rapprochent de la Chine, quand ces pays-là se rapprochent de la Russie, quand ces pays-là se rapprochent de la Turquie, la France les supprime. Dans le cas de ces pays africains, n'est-ce pas, c'est la France qui les supprime. Mais puisque le contrôle politique d'Haïti, c'est les États-Unis qui l'assument, eh bien, Jovenel Moïse a eu le même comportement que ses frères africains. Et là, il a été tout simplement supprimé par l'ambassade américaine, mes amis. Ne perdons pas de vue, n'est-ce pas, ce portrait global. Analyser, c'est anticiper. Analyser, c'est s'élever au-delà des exemples particuliers pour voir tout le tableau. Maintenant, je vais vous montrer, oui, une fois qu'on a assassiné, je vais vous montrer le modus operandi. Et c'est là où je vais vous parler de l'annonce de candidature de Martin Moïse. Nous vous remercions d'être là. Bon Dieu, vous êtes déjà plus de 2000 personnes. J'aime ça. Continuez à partager, n'est-ce pas? Nous faisons ici de la contre-intelligence. C'est-à-dire, nous prenons le comportement des services secrets, nous analysons le comportement des diverses chancelleries des pays tuteurs comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, n'est-ce pas? Le Canada aussi. Le Canada n'est pas un ange, pas vrai? Nous défaisons ce qu'ils font parce que nous avons étudié en relations internationales, nous savons ce qu'ils font, sont en train de faire et nous vous disons, voici ce qui s'en vient. Comme ça, puisque vous êtes en mesure, n'est-ce pas, d'anticiper. Et c'est une émission d'autant plus importante pour moi que le 1er août 2021, le 1er août, c'est le jour de l'émancipation de l'Empire britannique des États africains. Donc, en ce jour de l'émancipation des peuples noirs, voilà. Voilà, des peuples noirs de l'Empire britannique, quel bonheur de pouvoir faire cette émission avec vous. Maintenant, une fois qu'ils assassinent un chef d'État africain, regardez bien comment ils procèdent. Le modus operandi se fait en 3 étapes. Notez bien ça. Ils assassinent le président du Tchad, par exemple. Ils assassinent le président haïtien ou d'autres chefs d'État en Afrique dont je vous ai parlé. Ils font 3 choses. 3 étapes. On assassine les récalcitrants. 2, on le remplace par quelqu'un de proche. Les Occidentaux sont pervers, ils sont scélérats. Ils ont assassiné le président du Tchad. Les Français ont assassiné le président du Tchad. Ils le remplacent par qui? Par son fils. Le président Emmanuel Macron est venu pour assister aux funérailles. Ça a été une bonne nouvelle pour lui, la mort du président récalcitrant. Il procède lui-même à l'installation de son fils de 37 ans, même si la constitution du Tchad avait prévu que ce serait quelqu'un du Parlement qui devrait occuper le pouvoir. Emmanuel Macron s'en fout de la constitution, l'ordre constitutionnel, on s'en fout. On le remplace par quelqu'un de proche. Ça peut être un fils, ça peut être l'épouse, on a déjà vu ça au Congo, lorsqu'on a assassiné le président Laurent Désiré Kabila, on l'a remplacé par qui? Par Joseph Kabila. Donc, une fois qu'on assassine un président récalcitrant, on le remplace par quelqu'un de proche. Et on fait une parodie d'élection. Comprenez ce qui s'est passé en Haïti. On assassine le président Jovenel parce qu'il a osé se tourner vers la Russie, la Chine et la Turquie. C'est le mobile de l'assassinat. Dans les 7 cas que je vous ai présentés en Afrique, ajoutés au 8e d'Haïti, c'est le même fil d'Ariane. Ces chefs d'État-là se sont rapprochés de la Russie, de la Turquie et de la Chine, violant le sacro-saint principe de la guerre froide. Il y a 2 camps. Quand vous êtes un nègre, aux yeux des Français, aux yeux des Britanniques, aux yeux des Américains, vous n'avez pas le droit d'être neutre. Vous devez être avec nous ou contre nous. Si vous osez, au nom de la souveraineté de votre pays, aller chercher des débouchés dans le camp de l'ennemi, on considère que vous nous faites un enfant dans le dos, on vous supprime.
C'est ça le fil d'Ariane. Donc, premier élément du modus operandi, on assassine le président récalcitrant. Deuxième élément du modus operandi, on le remplace par quelqu'un de proche, son fils, sa femme, ou l'un de ses ministres, souvent le numéro 2 du parti. Et après un certain temps, on organise une parodie d'élection pour donner une légitimité à l'assassinat. C'est précisément ce à quoi nous assistons. On assassine Jovenel Moïse parce qu'il s'est rapproché de la Russie, de la Chine et de la Turquie. On le remplace illico par Claude Joseph. Je vais vous parler de Claude Joseph. Claude Joseph, c'est probablement le politicien le plus dangereux d'Haïti en ce moment. Parce que c'est un fils des services secrets américains. Il est prêt à tout pour rester dans les bonnes grâces des services secrets américains. Une fois qu'on remplace un président récalcitrant par quelqu'un de proche, ça veut dire un ministre, le numéro 2 du parti, ou bien son chef de gouvernement. Troisième étape, on va procéder à une parodie d'élection, à la suite desquelles on va mettre quelqu'un de très proche du président assassiné. Ça peut être son premier ministre, comme dans le cas de Claude Joseph. Ça peut être sa femme ou son fils, comme on l'a vu déjà, n'est-ce pas, au Tchad ou au Congo. Et c'est dans ce sens-là que j'avais prédit que Martin Moïse, à un moment donné, allait annoncer sa candidature. Mais, faites-moi confiance, Martin Moïse ne sera pas la prochaine présidente. Pour une raison simple, je vais vous aider à comprendre ça. Je vais analyser tout à l'heure le cas de Claude Joseph avec vous, mais analysons le comportement de Martin Moïse. Martin Moïse, c'est quelqu'un à qui on ne fait plus confiance. Savez-vous pourquoi on ne lui fait plus confiance? C'est parce que Martin Moïse et Jovenel ont fait un bébé dans le dos de la communauté internationale. Lorsque Jovenel Moïse est allé rencontrer les Turcs, est allé rencontrer les Chinois et les Russes à la mi-juin, Martin Moïse était là, lors du voyage. Et là, les États-Unis ne prennent pas de chance. Tous les Haïtiens savent, et les services secrets américains savent que derrière la plupart des décisions de Jovenel Moïse se trouvait Martin Moïse. Martin Moïse était son poteau mitant. Et ceux qui connaissent Martin Moïse, j'ai des amis qui travaillent, n'est-ce pas, de manière très rapprochée avec Martin Moïse, ils vous ont dit, la véritable femme solide, la véritable personne solide dans ce couple-là, c'était Martin Moïse. Quand Jovenel tendait à fléchir, c'est Martin Moïse qui tenait les rênes des choses. Donc, les services secrets américains ne font pas confiance à Martin Moïse. Parce que Martin Moïse leur a fait des enfants dans le dos. Voilà pourquoi, voici ce qu'ils font à Martin Moïse. Je sais que la famille de Martin Moïse m'écoute. Le fils du président Jovenel Moïse, que j'ai rencontré il y a quelques années, m'écoute aussi. La sœur du défunt président Martin Moïse, du défunt président Jovenel Moïse m'écoute. Je vais expliquer à Martin ce qu'on est en train de faire. Savez-vous ce qu'on fait, Martin? Savez-vous ce qu'on vous fait, Martin? On vous utilise par devant et par en arrière, on défait votre couture en sorte que tout le monde voit vos petites culottes, votre petite culotte, tout le monde voit vos fesses. Regardez ce qu'on vous a fait. Lorsque, dans la nuit du 6 au 7 juillet, ils sont allés assassiner votre mari, ils ont commencé par sortir une note bidon en faisant croire que votre vie était en danger, que vous aviez reçu 4 balles, que vous étiez grièvement blessé, que vous luttiez pour votre vie. Ces mêmes gens-là qui vous ont conseillé de sortir ce communiqué-là, ils ont à ce point voulu vous décrédibiliser qu'ils ne se sont même pas donné la peine de maquiller cette histoire de 4 balles. En sorte que, très peu de temps après que vous avez reçu les 4 balles, on vous a vu descendre de l'avion par vous-même. Vous qui êtes censé avoir reçu des balles dans les fesses, vous qui êtes censé avoir reçu des balles selon ce qu'on disait, n'est-ce pas, à la hanche, on a vu une Martine Moïse descendre de l'avion par elle-même sur le tarmac et secouant la main de deux officiels du gouvernement d'une telle poigne qu'on se demandait déjà, oh là là, il y a anguille sous roche. Donc, ils vous utilisent tout en vous décrédibilisant. Et c'est vraiment à partir de ce jour-là que les Haïtiens ont commencé à dire, elle nous ment cette Martine Moïse. Moi, je vous accuse de rien. Hein. Je vous considère comme une alliée potentielle. Je vais vous dire quoi faire vers la fin de l'émission. Ces mêmes gens-là, ils sont experts en damage control. Vous vous souvenez, Martine, lorsque vous étiez à l'hôpital de Miami et que vous aviez publié des photos, les photos ne concordaient pas. On a vu une Martine Moïse, n'est-ce pas, ayant des problèmes dans tel bras. Et par la suite, on a découvert que le bras dans lequel vous êtes censé avoir été opéré n'était pas celui-là qu'on a vu. Très bien. Le jour de l'assassinat,
Votre fille a expliqué qu'elle s'était cachée dans la chambre de son frère. Elle prétend qu'elle était la seule enfant de la famille à avoir été là. C'est ce que votre fille a dit. Votre fille n'aurait pas pu donner cette explication sans que son explication ne soit scriptée, sans que son explication ne soit monitorée par l'ambassade américaine qui vous a pris, qui vous a prise toutes les deux, n'est-ce pas, sous son épaule. Vous-même, dans l'entrevue que vous avez accordée à New York Times, vous aviez dit que vous êtes allé demander à vos deux enfants de se cacher, non pas dans la chambre à coucher de l'un des enfants, mais dans la toilette. Donc il y a discordances qui sont en train de vous décrédibiliser. Normalement, les Américains sont des experts en matière de communication publique. Ils sont experts en matière de communication publique. S'ils vous ont laissé donner cette entrevue au New York Times, ils ont quelque chose en vue. Ils vous ont permis de donner une entrevue au New York Times si décousue que même un enfant de 5 ans mentirait mieux que vous. Regardez ce que vous avez dit, Martine Louise. Ils vous ont laissé dire que lorsque les gens sont arrivés dans la chambre de votre mari vous a demandé de vous coucher par terre. Parce que, dites-vous, c'est par terre, vous a conseillé votre mari, que vous seriez en sécurité. Très bien. Dans votre réflexe de mère, vous avez laissé votre chambre à coucher tandis qu'on vous tirait dessus pour aller demander à vos deux enfants, maintenant ce n'est plus une enfant, de se cacher dans la toilette. Il y a un trou, Martine. Quand est-ce que vous avez choisi de revenir dans la chambre à coucher? Au début des tirs, vous êtes allé demander à vos enfants de se cacher dans la toilette. Et malgré les tirs, Martine Moïse, vous êtes revenu dans la chambre à coucher. Vous êtes étendu par terre. Et tout ce que vous avez vu, c'est les bottes, Martine. Ils sont en train de vous décrédibiliser. Dans votre éloge funèbre à votre mari, vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Vous avez parlé des oligarques qui ont assassiné votre mari. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de mercenaires. Et vous avez ajouté, ils sont là. Ils nous regardent, ils nous écoutent. Donc si vous savez qu'ils sont là, c'est que vous les avez vus, Martine. Revenons à cette salade que vous avez racontée au New York Times. Vous avez dit que vous étiez par terre et les mercenaires vous ont prise pour morte. Martine, pourquoi vous faites ça? Du moins, pourquoi ils vous ont laissé faire ça? Quand un mercenaire reçoit l'ordre d'abattre quelqu'un, sa vie à elle est mise en prix. Si le mercenaire n'accomplit pas sa tâche jusqu'au bout, il sera tué lui aussi. Donc, ils vous ont tiré dans le bras. Maintenant, c'est plus 4 balles. Depuis quand, Martine, le bras était un organe vital du corps? Ils vous ont tiré dans le bras. Vous avez fait d'être morte. Mais vous ajoutez, à un moment donné, votre bouche était pleine de sang. Martine, d'où est venu ce sang? On vous a tiré dans le bras. Je ne savais pas qu'une blessure au bras peut remonter jusqu'à la bouche, nous remplir la bouche de sang au point de nous étouffer. Vous avez fermé les yeux. Vous avez fermé les yeux, vous dites qu'ils ont pris un flashlight, une lampe de poche pour s'assurer que vous étiez mort. Mais malgré le fait que vous aviez fermé les yeux, vous les avez entendus fouiller dans les affaires de vos maris, chercher des documents, et à un moment donné, vous les avez entendus parler en espagnol. Là, il faudrait que je sache, est-ce que Martine parle espagnol? Je ne sais pas. Bon, on dit que vous avez étudié en interprétariat à l'université Quisqueya, avez-vous pris des cours d'espagnol? Sûrement. Donc là, je ne m'avance pas. Mais vous les avez entendus parler en espagnol, dire « ce n'est pas ça, ce n'est pas ça », et tout à coup, vous les avez entendus dire « c'est ça ». Donc, ils ont trouvé le document. Martine. Et lorsque le journaliste vous a demandé qu'est-ce que vous avez vu, vous dites vous n'avez vu que les bottes. Martine, pourquoi vous nous faites ça là? Au moment où les assaillants sont entrés dans la chambre à coucher où vous étiez, votre mari vous a demandé de vous coucher par terre, vous êtes sorti comme mère, prévenir les enfants d'aller se cacher, non pas dans la chambre des enfants, contrairement à ce qu'avait raconté votre fille de 18 ans, c'est une majeure, enfin elle peut témoigner. Vous êtes allé demander à vos enfants de se cacher dans la toilette, et vous revenez, Martine. Vous revenez dans la chambre à coucher. Et c'est là que vous avez reçu une balle au bras. Une balle au bras qui s'est transportée dans la bouche parce que votre bouche était pleine de sang. Vous aviez de la difficulté à respirer. Mais vous n'avez rien vu, sinon que des bottes. Qui cherchez-vous à protéger, Martine? Je ne vous juge pas. Mais dans votre entrevue, vous avez pointé du doigt une personne.
Je ne dis pas que Boulos soit un saint. Moi-même, j'ai dit dans un pays sérieux, il faudrait interroger Boulos. Boulos a des explications à donner parce que le cortège de véhicules à bord duquel se trouvaient les assaillants, c'est des Nissan. Et Reginald Boulos, c'est le concessionnaire exclusif de Nissan en Haïti. Dans tout pays, on interrogerait Boulos. La seule personne que vous avez pointée, Martine, c'est Reginald Boulos. Pourquoi faire tout cela? Vous dites, ah, c'est lui qui aurait un intérêt à tuer votre mari. Je veux bien. Mais les Américains n'auraient-ils pas intérêt aussi à tuer votre mari? Donc, voyez ce qu'ils sont en train de vous faire, Martine. Ils vous utilisent, mais ils vous décrédibilisent. C'est-à-dire, toute personne sensée va dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, cette première dame? Vous notez que si eux, les services secrets américains, les handlers, ceux qui assurent votre sécurité, ne voulaient pas que vous donniez une entrevue, vous n'auriez pas pu donner une entrevue au fait. Si ce n'était pas une entrevue arrangée par les services secrets, même la vie du journaliste aurait été en danger. Parce qu'il aurait couru le risque d'entendre des choses qu'il n'est pas autorisé à entendre. Et s'il a entendu des choses qu'il ne serait pas autorisé à entendre, on l'aurait supprimé. Donc, on vous a permis, Martine, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Regardez mon âge, Martine. Ils vous ont permis, Martine, de donner cette entrevue. Ils vous ont scripté ce que vous deviez dire. Mais même dans le script, ils vous ont piégé. Donc, ils vous utilisent par en avant pour que vous annonciez votre candidature. Mais par en arrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils défont votre robe en sorte que tout le monde voit, Martine, vos fesses. Tout le monde voit votre petite culotte. Au fait, Martine, on vous utilise comme un pan. Vous voyez l'histoire du pan, là? Vous connaissez la fable du pan? Un pan qui était tellement sûr de sa beauté, de son intelligence, qu'il est allé se pavaner devant les autres oiseaux de la basse-cour. Et puis, dans sa fierté, dans sa confiance en elle-même, n'est-ce pas? Oui, dans sa confiance en elle-même, dans sa confiance en lui-même, un pan, il a tourné le dos et tout le monde a vu ses fesses. On a dit, oh là là, le pan a peut-être un beau plumage, il a peut-être de belles plumes, mais quand il tourne le dos, quel anus horrible! Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de vous faire, Martine. Et maintenant, pourquoi ils vous demandent d'envisager une candidature? Avant même qu'ils ne vous le disent, moi, je savais qu'ils allaient vous conduire à ça, Martine. Dans mon premier live du 7 juillet, le jour même de l'assassinat de votre mari, j'ai annoncé que vous annonceriez votre candidature. Savez-vous pourquoi ils vous font ça, Martine? Dès que les gens ont entendu dire que Martine envisage d'être candidat, vous notez qu'il y a une agitation dans la population. Vous venez de donner un peu d'énergie à cette pièce de théâtre mal écrite. Parce que c'est une pièce qu'ils écrivent pour des nègres. Ils disent, nous n'avons pas besoin de raffiner l'écriture, nous n'avons pas besoin de raffiner les scènes, c'est des nègres. De toute manière, on s'en fout. Dès que ils vous ont utilisé pour dire que vous seriez candidat, il y a une agitation. La plupart des gens sont contre. Ils disent, écoutez, Martine n'est pas une sainte. Et Martine, vous savez que vous n'êtes pas une sainte. Là. Je suis pas en train de vous juger. Mais sur vous aussi pèsent des rumeurs de détournement de fonds. Ils le savent, les services secrets, dans l'affaire Dermalog. Sur vous aussi pèsent des rumeurs d'assassinat politique. Votre nom est cité avec insistance dans l'assassinat du bâtonnier de l'ordre de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Mais ils vous utilisent pour que vous apportiez un peu d'énergie à l'histoire d'élection. Désormais, les gens vont dire, non, 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 elle ne va pas arriver comme présidente, on va voter contre. D'autres vont dire, ah mais écoutez, Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il se battait pour le peuple haïtien, on va voter pour. On se sert de vous pour donner une énergie, mais à la dernière minute, on va vous retirer. Savez-vous pourquoi? Parce que la communauté internationale ne vous fait pas confiance. Vous avez fait des enfants dans le dos de la communauté internationale en vous rendant en Turquie avec votre mari pour signer des accords secrets avec les Russes, avec les Turcs et avec les Chinois. Ils vous utilisent tout en vous décrédibilisant. Et à la dernière minute, Martine, savez-vous ce qu'ils vont vous faire? Ils vont vous demander de donner votre appui à Claude Joseph. Parce que celui qui va se présenter comme candidat à la présidence haïtienne, c'est Claude Joseph. Maintenant, j'ai dit que Claude Joseph, Martine, je sais qu'il prétend avoir été proche de vous. Même là encore, c'est des pièges. C'est un piège qu'il vous a tendu, Martine. Je vous parle à vous, Martine. Un homme qui a des liens étroits avec vous. S'il veut vous protéger, il ne dit pas ça dans un éloge funèbre. Ça va? Dans un éloge funèbre rendu aux funérailles de votre mari, au Mupana, il n'avait pas besoin. Quand même, Claude Joseph n'est pas un imbécile. C'est un garçon intelligent. C'est un garçon lettré. S'il a choisi dans un discours qu'il a écrit de dire qu'il avait des accords étroits avec vous,
pendant qu'il prenait des rendez-vous avec vous, chez vous, à l'insu de votre mari, il y a ce qu'on appelle en communication le message sur le message. Il y a quelque chose qu'il veut dire au-delà de ce qu'il dit, Martine. Je vous forme en herméneutique, là. Il a dit, j'ai eu des rapports si étroits avec Martine, étroit est synonyme d'intime, Martine, que parfois, il a eu des rendez-vous avec vous à l'insu de votre mari. Et une fois, vous étiez en rendez-vous, vous étiez en tête-à-tête, le ton permet de le déduire, je ne dis pas plus, le président est arrivé et le premier ministre du chef de l'État ose dire à un président, en sa résidence privée, « Président, je n'avais pas de rendez-vous avec vous, vous ne saviez même pas que j'étais là avec votre femme et je n'étais pas là pour vous. » Et vous ajoutez, Claude Joseph, que le président arrive et il a dit, « Bon, j'ai d'autres personnes qui viennent là, je ne veux pas qu'ils vous voient chez moi, allez-vous-en. » Si Claude Joseph a dit ça dans un discours public, Martine, il envoie un message sur un message. Savez-vous ce que Claude Joseph vous a fait en réalité, Martine? Il vous a décrédibilisé vous aussi. Savez-vous ce qu'il est en train de laisser supposer? Je ne dis pas que je le crois, Martine. Savez-vous ce que Claude Joseph a fait par ce discours? Il est en train d'insinuer que vous n'étiez pas si proche ni si fidèle que ça à votre mari. Dans un pays comme Haïti, ça fait mal, Martine. Je ne suis pas en train d'approuver, là. Je suis en train de vous aider à capter le message sur le message. Et de fait, dès que Claude Joseph a fait ce discours, moi, dans la soirée, j'ai monitoré les radios haïtiennes, les radios les plus écoutées. Tous les journalistes, les uns moins bons que les autres, j'avoue, ont compris exactement ce que Claude Joseph a voulu qu'on comprenne, à savoir qu'il a eu des rapports étroits avec vous à l'insu de votre mari. Donc, vous notez, Martine, que même Claude Joseph n'est pas dans votre camp. Claude Joseph, c'est vraiment l'homme des services secrets américains et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de 2004. Je vais vous parler de Claude Joseph. Et lui, c'est quelqu'un qu'on a placé dans votre sein pour étudier le comportement du président, pour étudier votre comportement, refiler les informations aux services secrets. Et je mets ma main sur le feu, Martine. Voyez-vous, je mets ma main sur le feu pour vous. Claude Joseph était au courant de l'assassinat de votre mari. Martine, ne vous laissez pas prendre dans ce jeu. Je vais vous dire à la fin ce que vous devez faire si vous voulez vous libérer de cette chaîne. On peut toujours se libérer d'une chaîne. De cette chaîne que les services secrets américains mettent autour de vous. Vous avez peur, je comprends. Vous avez peur pour vous, mais vous avez encore plus peur de vos trois enfants. Un garçon que votre mari défunt a eu dans son premier mariage et les deux autres que vous avez eus avec lui. Vous avez peur. Votre peur, elle est légitime. Mais vous devez, Martine, combattre votre peur. Parce que les gens des services secrets, Claude Joseph, vous utilisent tout en vous décrédibilisant. Et à la fin, ils vont vous dire, donnez votre appui à Claude Joseph. Parce que on vous reproche des choses. On vous reproche des malheurs. On vous reproche, certaines rumeurs. Vous imputent l'assassinat de certains Haïtiens. Et Martine, il y a une chose que les Haïtiens n'oublient pas. Au début du mandat de votre mari, vous vous souvenez? Il était bruit que vous aviez eu de rapports étroits avec certains assassins, certains gangsters des bas quartiers, au point que vous vous rendiez là et vous les rencontriez. Et lorsque Wendell Théodore de Radio Métropole vous a posé la question, en toute réponse, tout ce que vous avez fait, c'était de rire. Mais de rire tellement éclatant qu'en bon haïtien, vous voulez dire qu'il met les boudins. On oublie pas ça, Martine. Les services secrets le savent. Bon. OK. Donc, vous notez, mesdames, messieurs, j'ai fini de parler à Martine Moïse. Vers la fin, je vais lui dire quoi faire. Dans la géopolitique, désormais, on utilise plus ce qu'on appelle des soft coups. Par exemple, quand il fallait renverser Jean-Bertrand Aristide en 2004, ils ont procédé à la subversion des esprits. Les médias ont commencé par réputer à Aristide tous les maux du monde. Une partie de la population a fini par croire à ce que disaient les médias et sans l'assassiner, on l'a renversé. On appelle ça un soft coup. Dans le langage des relations internationales, coup, c'est OUP, soft en anglais, c'est ce qui est doux. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'assassinat, on va le déporter. Avec votre mari, ce n'est pas ce qu'on a fait. Désormais, on supprime les récalcitrants. Et savez-vous qui on a utilisé pour faire ça? Entre autres, Claude Joseph. Je vais vous parler de Claude Joseph. Claude Joseph, c'est quelqu'un qui travaillait déjà depuis 2004 pour une association américaine financée par le Congrès américain qu'on appelle la National
Endowment for Democracy, le NED, le NED, comme on l'appelle dans les relations internationales. Qu'est-ce que le NED? Le NED, c'est un sigle en américain, enfin en anglais, qui signifie National Endowment for Democracy. Au fait, c'est le NED, c'est l'une de ces organisations satellites ou l'un de ces appendices de la CIA. Par exemple, si vous étudiez en relations internationales, si vous vous y connaissez un tout petit peu dans les organisations satellite de la CIA. Quand on vous parle du NED, vous pensez aussi au NDI, vous pensez aussi au CFA, vous pensez aussi au BCIU, vous pensez aussi au IRI, mais limitons-nous pour l'instant au NED, le National Endowment for Democracy. En fait, c'est une organisation qui a été fondée en 84 sous Ronald Reagan, financée à coup de millions par le Congrès américain. Le but du NED, c'est de soutenir les pays en voie de démocratie, de soutenir leurs efforts pour la démocratie. Ça, c'est la mission officielle. Mais en réalité, le NED, c'est une organisation dont la CIA se sert pour déstabiliser les pays en voie de développement. Par exemple, la NED est à Cuba en ce moment. Vous savez, ces manifestations spontanées auxquelles vous assistez à Cuba, par lesquels les gens disent « on a faim, libérez-nous », c'est de la foutaise, ça. Les gens sont manipulés par la NED. Ce qu'on sait en matière de sociologie, ce qu'on sait en matière de communication politique, quand vous voyez des gens sortir spontanément comme ça pour réclamer quelque chose, sachez que ces gens-là sont travaillés par un petit groupe depuis des mois, par les médias, etc. Et quand vous voyez 500 000 personnes sortir pour réclamer la même chose, il y a une cellule qui les a travaillés. Et la NED est à Cuba. La NED est au Venezuela. Pendant tout ce temps d'agitation, la NED était en Irak. La NED était en Syrie. Eh bien, en 2004, la NED, la National Endowment for Democracy, cette organisation qui se donne pour mission par des fonds de soutenir, n'est-ce pas, les efforts démocratiques dans les pays en voie de développement, était présent. Les graines dans Bouddha, là, le APEC Junior, les 184, etc., qui luttaient pour renverser Jean-Bertrand Aristide, étaient financés par la NED. Je vous dis tout, là. Et Claude Joseph faisait partie déjà de la NED. Dans la foulée du renversement de Jean-Bertrand Aristide, Claude Joseph a reçu une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Et là, il a fait un doctorat en politique publique. Il a même enseigné la politique publique, n'est-ce pas, à New York, aux États-Unis. Bon élève. On le fait rentrer en Haïti et on le place au sein du gouvernement de Jovenel Moïse. Et c'est lui, Claude Joseph, qui transmettait les informations sensibles à l'ambassade américaine. C'est pas pour rien qu'il fut chancelier, ça veut dire ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Ça veut dire c'est lui qui contrôlait les représentations diplomatiques d'Haïti à l'étranger. Et puisqu'il était ministre des Affaires étrangères, il était le vis-à-vis. Il était le vis-à-vis des diplomates. On a obligé Jovenel Moïse à le nommer premier ministre par intérim. Et vous notez que, à l'assassinat de Jovenel Moïse, ce Claude Joseph était premier ministre. Le jour même, sans émotion aucune. Je vous aide à comprendre quelque chose. Lorsqu'on a assassiné Netty, Claude Joseph a éclaté en sanglots. He was maybe acting. Il jouait une pièce de théâtre. En tout cas, il était en sanglots. Bon. Je ne vous dis pas les rumeurs. Je ne suis pas là pour salir la réputation de qui que ce soit. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne vous parle pas de rumeurs. Il éclatait en sanglots. On a des explications, mais que je ne vais pas vous livrer là. À l'assassinat de son patron, le mari d'une femme avec laquelle il prétend avoir des rapports étroits, sans émotion aucune, tout ce qu'il a dit, tout est sous contrôle. Dès le lendemain, la communauté internationale, les véritables patrons de Claude Joseph, l'ont approuvé en disant « Nous voulons Claude Joseph comme premier ministre, parce qu'il nous promet des élections. » Vous savez qui est le patron de Claude Joseph? Vous savez-vous qui est le président de la NED?
Le président de la NED, c'est Carl Garsham. C'est lui le président de la NED, la National Endowment for Democracy, depuis sa fondation en 1984. Carl Garsham, c'est un ancien patron de la CIA. Un ancien patron de la CIA, on s'entend, c'est pas un ange. C'est lui le patron de Claude Joseph. C'est lui qui le place au bon endroit pour étudier le comportement de Jovenel Moïse. Vous savez ce qu'on disait dans les services secrets de Jovenel Moïse? C'est un fou, on a perdu le contrôle. Ça, c'est l'une des choses dont on dit de chef d'État qu'on veut assassiner ou déporter. On avait dit ça de Jean-Bertrand Aristide. On faisait sortir des études psychologiques bidons qui le faisaient passer pour un fou. Vous connaissez le vieil adage. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Pendant l'époque de l'esclavage ou de la colonie, quand on voulait pendre un esclave, on disait qu'il était sorcier. Eh bien, aujourd'hui, quand on veut défaire, destituer, assassiner, supprimer un chef d'État d'un pays nègre, on dit on perd son contrôle, il est fou. Mais Carl Garsham a placé Claude Joseph au sein du gouvernement de Jovenel Moïse pour transmettre les informations sensibles. Et c'est pas pour rien, les amis, avez-vous déjà vu ça? Sinon que dans mon modus operandi, un chef d'État est assassiné, toute personne sérieuse va se tourner vers la personne à qui le crime rapporte. Dans le cas de Claude Joseph, la communauté internationale n'a émis aucun doute. On a tout de suite, 24 heures plus tard, donné son appui presque unanime aux Nations Unies. Le département d'État a donné son appui à Claude Joseph. Vous vous souvenez du modus operandi? On assassine un président récalcitrant, on le remplace tout de suite par un proche. Le proche peut être son fils, sa femme, le numéro 2 du parti ou son ancien premier ministre. Et troisièmement, c'est ce qu'ils vont faire en Haïti. Ils organisent des élections bidons pour légitimer le coup. Ils ont tout de suite donné leur appui à Claude Joseph. Et vous notez ce que Claude Joseph a fait? Il a tout de suite demandé aux Nations Unies et aux États-Unis d'envoyer des renforts militaires. Et cette demande-là est encore valide. Parce que Claude Joseph, en ce moment-là, était à la fois premier ministre, de facto, on dirait, mais premier ministre quand même, mais ministre des Affaires étrangères de jure. Ça veut dire qu'il avait le droit de formuler une telle demande. Une telle demande est encore là. Donc, quand la population haïtienne voudra se regimber contre les élections, ce que je vais vous recommander, ils vont sortir cette demande du ministre des Affaires étrangères, qui est toujours ministre des Affaires étrangères. Et on va dire, la demande a été faite en bonne et due forme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on demande à Claude Joseph de step down. En demandant à Claude Joseph de se retirer de la primature, on ne l'a pas puni, Claude Joseph. Au contraire, on le protège. Je vais vous dire la vérité. On a le premier point, on assassine un président récalcitrant. Le deuxième point, on le remplace par un proche. Mais là, on nous prépare une parodie d'élection. Ça, c'est pas gagné parce que des gens comme moi, des influenceurs, disent non, on va pas dans des élections. Je préfère mourir over my dead body. Je vais tout mettre en œuvre pour qu'on n'aille pas dans cette parodie d'élection. Il y a d'autres influenceurs haïtiens patriotes qui vont boycotter vos élections. La communauté internationale est allée chercher Moïse Jean-Charles pour sonder sa volonté de participer aux élections. Moïse Jean-Charles, c'est probablement aujourd'hui, à tort ou à raison, le politicien sur l'échiquier politique haïtien le moins impopulaire. Vous voyez comment je le tourne? C'est peut-être le candidat le plus populaire en ce moment. Ils ne peuvent pas, la communauté internationale, les services secrets, les scélérats occidentaux, ils ne peuvent pas organiser des élections sans s'assurer d'avoir Moïse Jean-Charles. Donc, ils vont appâter Moïse Jean-Charles. Ils disent à Moïse Jean-Charles, vous vous souvenez des chiffres que je vous ai présentés la semaine dernière? Vous êtes en avance dans tous nos sondages. On va faire des élections parce que cette affaire de transition, on n'en veut pas. Quelles sont vos conditions? Moïse Jean-Charles a dit, pas avec Claude Joseph. On lui a dit, si c'était le docteur Ariel Henry. Il a dit, oui, pour quelle raison? Je vais vous rappeler quelque chose. Ariel Henry, c'est un ancien ministre, un ancien membre du parti Unité de René Préval, dont Moïse Jean-Charles était membre. Le parti Unité, c'est comme un appendice de la Valas, qui est le parti mère de Moïse Jean-Charles. Dès que Moïse Jean-Charles a dit, écoutez, avec Ariel Henry, je serai confortable pour des élections. Ça a été la première condition de Moïse Jean-Charles. Deuxième condition de Moïse Jean-Charles, Moïse Jean-Charles a dit, écoutez, si on veut que je participe aux élections, il faut revamper le CEP de Jovenel Moïse. Les deux s'appellent Moïse, pourquoi ça? Donc, Moïse Jean-Charles a dit aux Américains qui ont hâte de passer au troisième point du modus operandi, si vous voulez que je participe aux élections, je ne veux pas participer aux élections avec Claude Joseph. Donnez-moi Ariel Henry, ils ont dit à Moïse Jean-Charles, d'accord. Deuxième chose, il faut
un autre CEP. Je ne veux pas du conseil électoral provisoire de Jovenel Moïse. Les Américains vont donner ça à Jovenel, à Moïse Jean-Charles. Dès qu'ils font ça, ils disent « Ok, nous venons d'attraper un gros poisson, Moïse Jean-Charles. » Moi, j'ai appelé l'équipe de Moïse Jean-Charles. J'ai dit à Moïse Jean-Charles, les élections ne sont pas encore commencées, je vous préviens. Vous ne devez pas participer à ces élections. Si vous y participez, vous serez en face de moi et je vais vous considérer comme un traître, comme un vendu aux Américains. Il me promet d'écouter. Let's wait and see. Vous savez, les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui y croient. Moi, je ne crois pas aux politiciens. Je ne reste pas les politiciens traditionnels. Donc, dès que Moïse Jean-Charles a demandé qu'on retire Claude Joseph, les Américains ont dit pas de problème. On rentre Claude Joseph. On ne peut pas dire qu'il est encore aux affaires. Mais vous notez, malgré le fait qu'il n'est plus Premier ministre, les Américains ont tenu à le garder comme ministre des Affaires étrangères. Pourquoi selon vous? Pourquoi selon vous? Le ministre des Affaires étrangères, c'est le vis-à-vis de tous les représentants internationaux dans un pays. Ça veut dire, techniquement, Claude Joseph, c'est le vis-à-vis de l'ambassadrice américaine, c'est le vis-à-vis de l'ambassadeur du Canada, c'est le vis-à-vis de l'ambassadeur français. C'est pour ça qu'on le garde. C'est pour que la demande qu'il avait faite depuis le jour de l'assassinat de Jovenel Moïse reste encore valable, que cette demande-là ne soit pas rappelée par un nouveau Premier ministre, par un nouveau ministre des Affaires étrangères. L'ambassade américaine veille au grain. L'ambassade américaine a des suites dans les idées. On garde le même ministre des Affaires étrangères, car il ne peut pas se dédire, après qu'il nous a demandé une occupation militaire, il ne peut pas se dédire en disant qu'il n'avait pas dit ça parce que c'est un autre. On garde. Parce que Claude Joseph est un politicien docile. Je vous ai dit qu'il travaille pour la NED, la National Endowment for Democracy depuis 2004. C'est ces gens-là qui lui ont donné une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Ce sont encore ces gens-là qui l'ont placé comme ministre des Affaires étrangères de Jovenel et qui ont poussé pour qu'il soit Premier ministre par intérim. Et je vais vous dire plus. Savez-vous ce qui a précipité l'assassinat dans la nuit du 6 au 7 juillet de Jovenel Moïse? C'est parce que lorsque Jovenel Moïse a osé nommer Ariel Henry comme Premier ministre, les Américains ne voulaient pas de cela. Au contraire, les Américains disaient à Jovenel Moïse, mais nommez Claude Joseph. Donc, Jovenel Moïse a improvisé les Américains en nommant Ariel Henry. On a dit, on perd son contrôle, on y va tout de suite. Je vous dis tout. Claude Joseph, c'est un bon élève. Il a fait les études qu'il faut, il étudie en politique publique, il suit à la lettre tout ce qu'on lui demande de faire. Pour nous, les Haïtiens, c'est un fils de pute. Mais vous savez, les Américains aiment les fils de pute. Ils disent, c'est notre fils de pute à nous. Il est fidèle. On a besoin de lui pour avancer nos agendas. Et lui, après qu'il a vu ce qu'on a fait à son patron, on l'a assassiné de sang-froid, on a mutilé son corps, il n'oserait jamais nous faire un bébé dans le dos comme a fait son patron. Lui, on l'aime. Entre-temps, vous notez que des gens comme Laurent Lamothe, qui lui-même a été un premier ministre de Martelly, qui sait comment fonctionnent les services secrets scélérants en Haïti, il se désiste. Il a dit que lui, il n'est candidat de rien. Il comprend le jeu parce qu'il va gaspiller de l'argent pour rien. Même Michel Martelly est grillé. Michel Martelly, je vous le dis, vous nous suivez vous aussi. Vous êtes grillé. La communauté internationale va vous demander à la fin de donner votre support à Claude Joseph. Et vous savez, qui peut empêcher Claude Joseph d'être candidat? Vous et moi. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'exposer le jeu des services secrets. Je suis en train de créer Claude Joseph. Et ils vont mesurer l'impact de ce que je dis sur la population haïtienne. Si Claude Joseph est grillé, ils vont nous donner l'équivalent de Claude Joseph. C'est pas compliqué. Et Claude Joseph va donner son appui à ce nouveau candidat. Pour l'instant, c'est Claude Joseph le véritable candidat. On le protège. On lui donne du bonus. Il fait silence parce que il a tiré trop de tensions et de rumeurs. Maintenant, il n'est plus Premier ministre, donc on ne peut plus lui reprocher de ne pas mener l'enquête comme il faut. Wow, on le met au frais. Okay. Les amis, je vous ai présenté 8 exemples. 8 exemples qui prouvent que ce à quoi nous assistons, écoutez-moi bien, je suis en train de terminer, qui prouvent que ce à quoi nous assistons, c'est une guerre raciale. Ok? C'est rien d'autre. Vous notez que ceux qui sont assassinés sont d'une couleur. Ceux qu'on empoisonne sont d'une couleur. Ceux qu'on tente de déloger sont d'une couleur. Et ceux qui assassinent sont d'une autre couleur. N'ayons pas peur des mots. C'est une guerre raciale. Comme au bon vieux temps de l'esclavage. À partir de 1450.
lorsque le pape, 1454 je crois, la fameuse bulle Romanus Pontifex, invitait les Occidentaux à rentrer chez nous pour nous réduire en esclavage et voler nos ressources. C'est ce qui se passe. C'est une guerre raciale. Quel est le mobile de cette guerre raciale? Nos ressources. Savez-vous ce qui est en train de se faire là? Emmanuel Macron, en ce qui a trait aux États africains, et les États-Unis, en ce qui concerne Haïti, sont en train de suivre ce que j'appelle la doctrine de Gaulle. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de Gaulle? Écoutez bien, les amis. Je fais de la pédagogie avec vous. Certaines gens m'ont reproché lors de mes dernières vidéos de m'être énervé, mais mon Dieu, je parle de mon pays, là. Je ne parle pas d'une autre planète, là. Il s'agit de mon pays. si je parle de mon pays, je ne peux pas annoncer qu'aujourd'hui, sur la planète Mars, sont débarqués des Chinois. Je m'en fous de la planète Mars. Mais quand il s'agit de mon pays, vous venez de chercher mes couilles. Et si vous touchez à mes couilles, je vous fous un coup de pied dans le derrière. OK? Mais c'est moi, les amis. Alors, la France de Emmanuel Macron et les États-Unis de Biden, on s'en fout que ce soit Biden ou Trump, là. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'alternative, ou bien le changement de régime aux États-Unis n'a jamais rien changé à la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Donc, les Français, l'État français d'Emmanuel Macron et les États-Unis de Biden Blinken, parce que c'est lui, le ministre des Affaires étrangères, suivent la doctrine de Gaulle. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de Gaulle? Ce qui compte, ce n'est pas la proclamation de votre autonomie. Ce qui compte, c'est le contrôle économique. Je vais reprendre. Pour De Gaulle, et c'est pour ça que De Gaulle a favorisé la décolonisation de l'Algérie, par exemple, certaines gens ne comprenaient pas De Gaulle, comment lui, le président français, approuve la décolonisation de l'Algérie. Mais parce que De Gaulle allait plus loin, il disait, en ce qui a trait à l'Afrique, ce qui compte, ce n'est pas tant l'autonomie politique, on s'en fout. Laissez-les croire qu'ils sont libres politiquement, gardons le contrôle économique. Le contrôle économique. C'est une guerre raciale pour nos ressources économiques. Emmanuel Macron suit cette méthode à la lettre. Et vous notez qu'au moment où Charles de Gaulle parlait de la France-Afrique, on assassinait les chefs d'État comme on est en train de faire là aujourd'hui. Maintenant, pour les Haïtiens qui pensent qu'Haïti est un pays pauvre, détrompez-vous. J'ai pris des exemples africains où on assassine le président parce qu'il refuse des contrats exclusifs à la France pour des ressources comme l'uranium, n'est-ce pas, le pétrole, mettons-en, bauxite et autre chose. Mais on ne sait pas qui est dans le sous-sol haïtien. Les Américains ne veulent pas qu'on sache. Vous pensez qu'on aurait assassiné un président qui est allé signer des accords secrets avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, si notre sous-sol n'était pas riche? Franchement, vous êtes un enfant ou quoi? On ne fait ça que pour des pays riches. Et dans le cas d'Haïti, nos richesses sont peut-être encore plus grandes parce qu'on nous empêche de le savoir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut boycotter les prochaines élections. Ils ont exécuté deux points de leur agenda. Ils ont assassiné un président récalcitrant. Ils l'ont remplacé par quelqu'un de proche. Et là, ils s'apprêtent à passer au troisième point du modus operandi. Une parodie d'élection au terme desquelles l'élection, ils vont nous donner quelqu'un de soumis. Claude Joseph. On peut le changer aussi, s'il est grillé. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et si vous partagez le live, il sera grillé. Il faut boycotter les élections par toutes les façons. À partir de ce matin, j'ai mis en ligne une pétition qui est un pavé dans la mare. La pétition existe en français, en créole et en anglais. Signez la pétition. Nous sommes 14 millions d'Haïtiens. Si, et je vais demander aux amis africains de suivre cet exemple-là, si nous sommes des millions d'Haïtiens à dire que nous ne voulons plus que l'État haïtien ait des relations diplomatiques avec les États-Unis, vous savez quoi? Les États-Unis vont avoir peur. Vous vous imaginez à tort que vous tirez un avantage des relations diplomatiques avec les États-Unis. Vous n'avez aucun avantage en tant qu'Haïtien, en tant qu'État haïtien, en tant que nation haïtienne, au fait d'avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis. Aucun avantage. Oui, vous avez un avantage personnel, vous avez un visa, vous avez une résidence, mais si on rompt les relations diplomatiques avec les États-Unis, vous pourrez toujours avoir un visa. Vous irez le chercher en République dominicaine ou ailleurs. Le fait de ne pas avoir de relations diplomatiques avec un pays ne signifie pas que, en tant que ressortissant de ce pays qui n'a plus de relations diplomatiques avec cet autre pays, on ne puisse pas aller visiter. Si c'est ce qui vous intéresse d'avoir un visa aux États-Unis, grand bien que soit. Mais en tant qu'État, en tant que nation, zéro avantage. Nous allons y aller d'un pavé dans la mare. Imaginez si vous, les Africains, vous suivez cet exemple-là. Je vous ai montré qu'il y a sept de vos chefs d'État. Et je pourrais parler de Kadhafi. Je vais rendre hommage à Kadhafi. Et je vais vous dire pourquoi Sarkozy l'a assassiné. Vous imaginez, si vous les Africains, vous suivez cet exemple-là,
vous faites circuler une pétition demandant à vos États respectifs de rompre illico toute relation diplomatique avec la France. Je vous le dis, la France s'effondre. Il n'y a pas de France sans les richesses africaines. Au fait, ce n'est pas la France qui vous supporte, c'est vous qui supportez la France. De même, c'est nous qui rapportons aux États-Unis d'Amérique pour les Haïtiens. Nous n'avons aucun avantage. Nous allons signer cette pétition. Dans le préambule de la pétition, j'ai dit, étant donné que les États-Unis sont une source d'instabilité politique pour Haïti, étant donné que l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince est un haut lieu de magouille, de corruption et de collusion, étant donné que l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince est un lieu d'ingérence dans notre souveraineté nationale, nous demandons à l'État haïtien de rompre toute relation diplomatique. Je sais que pour l'instant, avec le gouvernement d'Ariel Henry et de Claude Joseph, c'est zéro chance que ça passe, je le sais. Je sais qu'avec des politiciens traditionnels, ça ne passera pas non plus. Mais imaginez le moyen de pression dont on disposera. Si j'avais quelque chose comme 4 millions de signatures, on aurait, en tant que cash, je vous invite à vous inscrire dans Cash, Communauté d'Action Stratégique pour Haïti, on aurait en tant que cash un outil formidable et les États-Unis seraient informés tout de suite. Vous savez, ils sont en train de nous suivre là. On nous suit dans toutes les chancelleries. Ils savent ce qu'on est en train de dire, ils sont intéressés à savoir d'où nous tenons nos infos, etc. Si on avait cette pétition-là signée par des millions d'Haïtiens, là, après qu'on aura boycotté les élections, car il n'y aura pas d'élection bidon, pendant la période que j'appelle la pause patriotique, vous vous souvenez dans mon livre, j'avais comme prédit ça. Un analyste, c'est quelqu'un qui anticipe. J'ai dit, voici par qui Haïti devra être géré pendant les 5 ans de pause patriotique. Voici les chantiers fondamentaux qu'il nous faut creuser. Et lorsqu'on va réfléchir sur le nouveau design du pays, lors d'une conférence souveraine de souveraineté nationale, on va soumettre à la population haïtienne la question que voici. Souhaitez-vous qu'on rompe nos relations avec les États-Unis jusqu'à nouvel ordre? Et si on a déjà une pétition de 4, 5, 6 millions d'habitants, on sera fort. Vous dites, ah, il est fou! Beaucoup d'Haïtiens ne voudront pas signer, je sais. Il y a cette sœur, je pense c'est nigériane, qui a dit « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Parfois, mes rêves me font peur. Donc, je dis « Ah, ils sont assez grands. » C'est un pavé dans la mare. Mais avec vous, ça devient possible. Vous allez faire savoir aux médias. Vous savez, il y a beaucoup de marchands de micros, beaucoup d'hommes de médias qui sont payés. On leur donne, pauvres, 20 000 dollars américains. C'est tout ce que vous méritez, 20 000 dollars pour trahir votre pays. Il y a des gens qui sont populaires en Haïti à qui on donne 10 000, 20 000 dollars pour faire la promotion des élections. Nous allons boycotter ces élections par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Vous n'êtes pas des enfants de cœur. Par tous les moyens. Ce gouvernement d'Ariel Henry et de Claude Joseph ne nous représente pas. Nous allons le défaire. Vous notez que, comme Macron est allé installer le fils du président du Tchad, contrairement aux vœux de la Constitution, c'est ce que Mme Lalim des Nations Unies et l'ambassadrice des États-Unis ont fait. C'est eux qui ont installé le nouveau gouvernement. Quand est-ce que vous avez été consulté? Vous voyez, c'est le motus operandi. On assassine le président récalcitrant, on le remplace par quelqu'un de proche. Le « on », c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les Nations Unies. Et ensuite, on procède à une parodie d'élection. Ils ont assassiné le président Jovenel, on ne pouvait rien. Ils le remplacent par quelqu'un de proche. On peut faire quelque chose, on va boycotter Ariel Henry et Claude Joseph. Je vous ai dit, Claude Joseph, c'est le politicien haïtien le plus dangereux en cette heure. Et trois, ils vont procéder à une parodie d'élection. On va boycotter cette élection. Je voudrais terminer ce live par un appel au patriotisme. Vous savez ce qui me motive en faisant ça? C'est mon amour du pays. J'aime mon pays plus que tout au monde, je vous le dis. Le tout, ici, ne souffre d'aucune exception. J'aime mon pays plus que tout. Je suis prêt à tous les sacrifices pour mon pays. J'en appelle aux jeunes, hommes et femmes, aimez votre pays plus que tout. Ne laissez pas une ambassade américaine ou une ambassade française, dans le cas des Africains, vous donner quelques millions de dollars ou une bourse pour vendre votre pays. Votre pays vaut plus que ça. Ne laissez pas une ambassade vous détacher de votre communauté pour exécuter son agenda. C'est faire honte à vos ancêtres. Les richesses de nos pays ont jusque-là profité aux Français, aux Américains, aux Canadiens, aux Anglais, plutôt qu'à nous-mêmes. Vous savez, c'est parce que les Français, les Américains, les Anglais, ils trouvent des collaborateurs parmi nous. Ce que j'appelle des élites transnationales. J'en appelle à votre patriotisme, il faut que ça change. Moi là, ils ne peuvent pas m'acheter, je vous le dis. Je les regarde dans les yeux, ils ne peuvent pas m'acheter. Je n'ai pas de prix. Et je vais les envoyer se faire mettre. Ils savent, ils ne peuvent pas me saisir.
Ils savent que ce qui me motive, ce n'est pas l'argent. Ce qui me motive, ce n'est pas un poste. Ce qui me motive, c'est l'amour de mon pays. Et j'aime mon pays plus que tout. J'en appelle à votre patriotisme. N'avez-vous pas assez de ces politiciens? Des Claude Joseph qui, pour une bourse aux États-Unis, a vendu son pays. N'avez-vous pas assez de ces politiciens? Regardez, en Haïti maintenant, Lambert, tous les partis de l'opposition sont en train de négocier avec l'ambassade américaine pour que l'ambassade leur permette d'installer un président. Ils vous emmerdent, bande de salauds, de flatteurs, de sous-fifres. Vous n'avez jamais promis que je ne me fâcherais pas. Ça, c'est moi. C'est moi. Vous n'êtes pas obligé d'être comme moi. Je les emmerde, ces politiciens-là. Moi, je vous l'ai dit, dès qu'un politicien de mon pays va négocier avec l'étranger pour quelque chose qui concerne son pays, je ne lui parle plus. Chez moi, c'est moi qui gère ma maison. Je ne vais pas négocier avec un voisin pour savoir quelle couleur mettre dans mon salon. Si un voisin ose se présenter devant moi ou ose me convoquer pour me suggérer une couleur peinture dans mon salon, je vais l'envoyer s'occuper de ses affaires. Donc, la classe traditionnelle haïtienne, la classe politique traditionnelle qui est en train de négocier avec l'ambassade américaine pour qu'on mette le Lambert, l'indécrottable Lambert, corrompu jusqu'à l'os. Ou bien, on est en train de négocier pour mettre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que le président a jamais fait pour ce pays-là? Pour qu'on veuille avoir un gouvernement bicéphale? Je vous emmerde, bande de sous-fifres de politiciens. Boycottez-les, les amis. J'en appelle à votre patriotisme. Boycottez les politiciens de la classe traditionnelle. C'est eux qui prennent langue avec les ambassades et qui signent des accords secrets dans votre dos. C'est la classe politique traditionnelle qui signe des accords exclusifs avec des compagnies françaises pour exploiter vos ressources à vous, votre pétrole, etc. L'avenir de ce pays, c'est les jeunes. Les jeunes qui ne sont pas prêts à se prostituer politiquement pour un visa. J'en appelle à vous, jeunes. J'en appelle à vous, mères et pères de famille. Vous avez vu ce pays péripliter. J'en appelle à votre patriotisme. Haïti, c'est un joyau. C'est l'un des plus beaux pays du monde. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Quel continent! Les Occidentaux nous détestent pour cela. Ils aiment nos pays, mais sans nous. Et vous savez comment ils arrivent à faire de nous notre marchepied? Leur marchepied, pardon. C'est parce qu'ils trouvent parmi nous des sous-fifres. Ils sont prêts à vendre leur mère pour pouvoir acheter une maison. Boycottons-les. Faisons une révolution dans nos pays. Je vous invite à suivre l'exemple de la pétition. Vous, mes frères africains, mettez en ligne une pétition par laquelle vous demandez à votre pays de rompre toute relation diplomatique avec la France. Vous allez voir. Les Français, l'État français va s'effondrer parce qu'il n'y a pas de France sans Afrique. En créole, on nous dit, ce n'est pas vous qui êtes assis sur le bœuf, c'est le bœuf qui est assis sur vous. Ne pensez pas que la France vous aide, c'est vous qui aidez la France. J'en appelle donc à votre patriotisme. Aimez votre pays. On peut changer Haïti, les amis. On peut changer ce pays. Le continent africain peut être le centre du monde, encore une fois. Mais ça se fait avec des patriotes. Les sciences du développement, ça s'enseigne. Les sciences économiques, ça s'enseigne. Ce qui manque à nos pays, ce ne sont pas des ressources humaines, c'est le patriotisme. Nous allons reprendre le contrôle de notre histoire, reprendre le contrôle de nos destins, en déjouant les plans macabres de la communauté internationale. Vous savez comment ils appellent l'opération des prochaines élections en Haïti? Je vous avais dit que je vous livrerai toutes les manœuvres. Vous savez comment ils appellent ça? Ils appellent ça l'opération Némésis. Je vais réactiver votre cours d'histoire générale. Némésis, c'est la déesse de l'Antiquité grecque de la colère. C'est la déesse de la vengeance. Vous entendez comment ils osent? Et les services secrets ne nomment jamais une opération au hasard. C'est comme s'ils ont une haine contre Haïti. Ils veulent se venger d'Haïti. Les Américains appellent cette opération qui consiste à donner des élections bibles d'ici à la fin de l'année à Haïti, ils appellent ça l'opération Némésis. Opération vengeance, opération colère, opération jalousie. Parce que Némésis, c'était justement la déesse de la jalousie, la déesse de la colère, n'est-ce pas, dans l'Antiquité grecque, dans la mythologie grecque. Il veut se venger de nous. Parce que nous, les Haïtiens, on a osé
renverser l'ordre esclavagiste en battant les Espagnols, en battant les Anglais et en battant les Français. Ils ne vont jamais nous pardonner cela. Vous savez comment on peut déjouer les plans des Américains chez nous? Par un mouvement citoyen. Si vous êtes nombreux à vous inscrire en cash, sur cash, sur la page, si vous êtes nombreux à signer cette pétition, je vous le dis là, bientôt on va porter cette affaire d'assassinat de Jovenel devant les instances internationales. Et vous aussi les Africains, je vous ai donné cet exemple, je vous invite à porter ces choses-là devant les instances internationales pour faire du bruit, pour montrer que nous ne sommes plus des imbéciles. Merci de votre écoute, signez cette pétition. Je ne veux rien de moins que des millions de signatures. On va se faire respecter. Quant à Martine Moïse, je sais quoi faire pour vous débarrasser de la chaîne de vos handlers. Je vous le dis, je sais quoi faire pour vous aider à défaire l'emprise qu'ils ont sur vous. Savez-vous, moi là, je ne vous accuse de rien. Je vous comprends, vous mentez. Oui, vous mentez. Mais vous mentez selon un script qu'on vous donne. Vous mentez mal. Ils vous ont écrit un mauvais script pour vous décrédibiliser. Si vous voulez savoir quoi faire, je ne vais pas balancer ça là sur cette chaîne YouTube qui est publique. Vous savez comment me rejoindre. Et je vais vous le dire, j'ai pas peur d'eux. Vous savez, ils savent que j'ai pas peur d'eux. Moi, ce que je veux, Martine, c'est de vous récupérer. Vous êtes une sœur égarée, comme disait Toussaint Louverture. Et je vous montrerai quoi faire. Moi, je suis toujours ouvert à parler à un frère ou une sœur qui reconnaît ses erreurs et qui dit, mais bon Dieu, mon pays vaut plus que ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais terminer par une citation de ce livre-là. J'ai parlé de Toussaint Louverture. Je vais terminer par une citation de Toussaint Louverture. On peut vaincre une armée, disait Toussaint Louverture, au fort de Joux. Mais on ne pourra jamais vaincre un peuple en armes. Avec les informations que je vous donne, je suis en train de vous armer. L'information, c'est le pouvoir. La vérité, c'est le pouvoir. Je vous dis la vérité toute nue. Depuis le 7 juillet que j'entre de plein pied dans cette affaire, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. On peut vaincre une armée, mais on ne peut vaincre un peuple en armes. Avec l'information que je vous donne le pouvoir. Boycottez les élections. Boycottez la classe politique traditionnelle. C'est une classe de lèche-cul. Ça va? L'avenir de votre pays, c'est vous les jeunes. C'est les pères et les mères de famille qui ont encore une verticalité de noir. Aimez votre pays plus que tout. Aimez votre pays plus que l'argent. Aimez votre pays plus qu'une bourse. Aimez votre pays plus qu'un visa. Aimez votre pays plus que tout. Merci d'avoir été là. Nous étions 3667. À l'écoute, Winnie va nous lire quelques questions. Donc, on va prendre des questions pour 10 minutes encore. Et puis, mais voilà, 2 heures pile. On quittera 2 heures d'horloge. Voilà. Peut-être juste vous prononcer sur certains rêves d'une femme présidente. Pourquoi peut-être, pas? Oui, pourquoi pas? Mais ce ne sera pas Martine. Ce ne sera pas Martine. Martine n'a pas la crédibilité pour être présidente. Martine et son mari avaient pris le pouvoir dans des conditions qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Martine et Jovenel ont accepté de financer leur campagne présidentielle par les oligarques. Martine et Jovenel ont longtemps obéi aveuglément à la communauté internationale. Martine ne peut pas être présidente, elle le sait. Maintenant, bravo s'il y a une autre femme qui s'intéresse à la présidence haïtienne. Je vais suivre 3 critères. 3. Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle a une réputation impeccable? Est-ce qu'elle est patriote? Martine n'est pas patriote jusqu'à présent. Martine a rendu Haïti aux oligarques transnationaux. Martine et son mari. Et 3. Est-ce qu'elle a de la compétence? Vous savez, je peux être de bonne foi là, mais je ne suis pas chirurgien. Si vous devez vous faire amputer la jambe, je ne peux pas vous l'amputer. Donc, moi là, ce n'est pas une question d'homme et de femme. Je souhaite que ce soit une femme. Enfin, dans toute notre histoire, une seule fois, une femme a été présidente provisoire. Si cette femme est honnête, Martine a des rumeurs d'honnêteté qui pèsent sur elle. Je dis la vérité là. Soyons sûrs là. Martine a détourné les fonds de Dermalog. Martine le sait. Si cette femme est patriote, Martine n'est pas patriote. Martine avait vendu Haïti au sénateur de la Floride, Marco Rubio, aux dépens du Venezuela. Et si la femme est compétente, pourquoi pas, je voterai pour une femme. Pourquoi pas? En même temps, avec la pause patriotique que vous proposez, il y aura des femmes. Absolument. On peut peut-être prendre un moment pour expliquer. C'est absolument un des critères. Oui, bien sûr. J'ai dit, pendant la pause patriotique de 5 ans, le pays doit être géré par 2 entités. Une entité exécutive, conseil, deux gouvernements pour la refondation nationale de 13 membres, équité homme-femme, équité haïtien du dedans et haïtien de l'extérieur, honnêteté, patriotisme et compétence, et
de l'autre côté, une entité de contrôle de l'action gouvernementale que j'appelle commission de contrôle de l'action gouvernementale, au sein de laquelle aussi on aura 13 membres. Donc vous avez 26 membres qui vont se retrouver à la tête de l'État. Et 26 membres, bon Dieu, c'est un chiffre pair. On a un nombre parfait pour avoir l'équité homme-femme. Moi, je suis pour que les femmes occupent le devant de la scène. Mais ce n'est pas une question de femme. C'est est-ce que cette femme-là est honnête? Est-ce que cette femme-là est patriote? Est-ce que cette femme-là, elle est compétente? Voilà. Achetez mon livre, encore une fois. Je parle de cette nouvelle Haïti, de cette Haïti dont on rêve dans ce livre. Haïti, miroir d'une société en décomposition, qu'un ami appelle affectueusement le livre noir et rouge de la nouvelle Haïti. Les pétitions, en fait, il y a deux pétitions. Mm-hmm. Peut-être juste le rappeler aux gens, il y en a un en français, oui, et un en anglais. Oui. Donc, vous pouvez signer les deux, en fait. D'accord. Okay? Oui. On veut récolter le plus de signatures. Si vous avez des amis anglophones, envoyez celui qui est en anglais. Si vous avez celui en français, envoyez celui qui est en français. Et la version créole, elle n'est pas en ligne? Officiellement, il y en a une en française, une en anglaise, d'accord, mais chaque pétition a français, créole. Merci. Donc, voyez-vous, il y a deux liens. Si vous êtes anglophone, signez la pétition anglaise, la version anglaise. Mais dans la version anglaise, il y a aussi la version créole. Si vous êtes francophone, signez la version française. Mais dans la version française, vous avez aussi le texte en créole parce que c'est pour les Haïtiens qu'on fait ça et nous avons une langue, le créole. Ça va. Le site internet, donc vous allez sur notre chaîne, c'est là que vous le trouvez. Le site internet de Cash est en préparation, vous allez en entendre parler dans les prochains jours. Et quant à mon livre, n'est-ce pas, vous pouvez le commander tout de suite en vous rendant sur mon site www.jeanfilsaimé.com et vous commanderez le livre. Donc vraiment, c'est un petit délice pour selon ceux qui l'ont lu et je suis d'accord. Un nouveau site internet qui s'est refait une beauté. Alors je vous invite à y faire un tour. N'est-ce pas, créer un compte pour que vous sachiez tout ce qu'on fait. C'est un beau site préparé par des gens compétents. Allez-y faire un tour. Les amis, merci d'avoir été là. Donc, voilà. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez-le et signez la pétition. Partagez la pétition aussi. Et quant à ceux qui sont en Haïti, si vous avez de la difficulté à visionner cette capsule, allez sur notre page, notre deuxième chaîne sur YouTube, qui est une chaîne backup. C'est la chaîne Dr. JFA Lumière sur le Monde, version Caraïbe. Caraïbe. C'est ça. Donc, merci Winnie. Donc, si vous avez de la difficulté à nous suivre sur cette chaîne-là, parce que vous êtes en Haïti, les gens commencent à avoir peur de ce qu'on fait, eh bien, rendez-vous sur notre chaîne backup qui s'appelle Dr. JFA Caraïbe. Ça veut dire si vous êtes dans les Caraïbes, eh bien, vous n'aurez plus aucun problème pour nous suivre. Abonnez-vous et comme ça, vous allez pouvoir suivre tout ce qu'on fait. Ça fait par rapport à la langue? Eh bien, oui, donc le mercredi, nous sommes live, mais en créole. Et j'ai quelques amis africains qui nous disent « Ah, mais nous sommes pénalisés. » Non, il ne faut pas le voir comme ça. Et vous voyez, le dimanche, on garde la langue passerelle, la langue du colon, parce qu'on arrive à se communiquer comme ça entre nous. Mais le mercredi, je fais de l'initiation à la citoyenneté pour mes compatriotes haïtiens. Et je vise vraiment la jeunesse haïtienne. Et ce sont ces jeunes-là qui m'ont dit « Écoutez, s'il vous plaît, faites-nous quelque chose en créole. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» Donc, étant donné que je ne peux pas présenter pour l'instant plus que deux lives, donc j'ai tranché la pomme en deux. Donc, le live du mercredi, je fais de l'initiation à la citoyenneté, n'est-ce pas, en créole. Et le dimanche, comme vous le voyez, on fait ce que nous avons l'habitude de faire. On réfléchit en tant qu'Africain, on réfléchit en tant que Noir, en tant que Panafricain. Et ça, c'est intéressant. Vous notez que ce qui se passe en Haïti, c'est le reflet de ce qui se passe chez vous. Et vous notez le lien. C'est le nouvel ordre mondial. C'est une guerre raciale.